bienvenue sur la chaîne YouTube de Nebouyam. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble au Casio GP510. Alors, c'est non seulement le plus haut de gamme de chez Casio, mais c'est surtout le plus particulier puisque c'est un piano numérique hybride. Et ce que ça implique, eh bien, on en parlera tout de suite dans la première partie qui est dédiée à la mécanique. Sachez que dans cette vidéo, nous parlerons de la collaboration entre Casio et Bechstein pour la production de cette série GP, mais nous aborderons également les sons de piano que le GP510 embarque, que je vous ferai écouter d'ailleurs, les spécificités techniques qu'il caractérise, les différentes fonctions qu'il propose, et puis son design, qui est quand même franchement réussi. Je vous propose que l'on parle tout de suite de ce qu'est un piano numérique hybride. Le piano numérique hybride, c'est un peu le piano qui est à la croisée des chemins entre le piano acoustique et le piano numérique. Pourquoi ? Parce qu'il est numérique par sa production sonore. Il y a un échantillon de piano avec une partie de modélisation qui sort par des haut-parleurs, donc l'amplification du piano. Mais par contre, ce qui est acoustique dans ce piano, c'est véritablement sa mécanique. Ici, elle est issue d'une collaboration entre Casio et la prestigieuse marque de piano allemand Bechstein, et elle reproduit le procédé de fonctionnement d'une mécanique de piano acoustique. C'est-à-dire l'appui sur une touche qui actionne un chevalet et qui propulse un marteau sur une corde. Évidemment, dans cette série GP, la partie acoustique s'arrête au niveau du marteau puisque nous n'avons pas de corde dans les pianos numériques hybrides. Mais ce qui est intéressant, c'est que son point de pivot, donc c'est l'endroit ici où va venir balancer la touche, est au même niveau que celui qu'on trouve sur les pianos acoustiques, ce qui rajoute évidemment au réalisme. Ensuite, bien sûr, sur une vraie mécanique, on a un tas de pièces, à peu près une vingtaine qui rentrent en interaction, qui sont remplacées ici par cette pièce de plastique, mais c'est pas si gênant que ça, puisque le plus important, c'est le poids du marteau et son mouvement, et ceux-ci sont bien précis. On a même d'ailleurs, pour rajouter au réalisme, une simulation d'échappement, c'est le petit cliquetis qu'on sent à mi-course ici, et qui est en fait, sur un vrai piano, un procédé qui permet de rejouer une note avant qu'elle soit revenue à sa hauteur initiale. Cette mécanique a donc été développée en collaboration avec Bechstein, qui est intervenu tout au long du process de recherche et développement pour assister les équipes Casio, qui elles n'ont pas l'expertise du piano acoustique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi participé à la conception de cette touche, dont le bois est le même que celle qu'on retrouve dans les usines de fabrication Bechstein, et donc sur leur piano à queue. Ce partenariat avec Bechstein ne s'arrête pas uniquement au développement de la mécanique, mais permet également à Casio d'embarquer l'échantillon du piano à queue de concert Bechstein, le modèle 282. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Le son de piano que nous venons d'écouter, c'est l'échantillon du piano à queue de concert Bechstein qui ici est présent sous l'intitulé Berlin Grand pour les pianos à queue fabriqués à Berlin. Mais la série GP embarque deux autres grandes marques européennes de pianos, dont l'une est fabriquée à Hambourg et l'autre est fabriquée à Vienne. Je vous propose de les écouter tout de suite. Thank you.
voyez, ce qui est vraiment plaisant quand on joue ce piano, déjà, c'est le contact qu'on a avec la mécanique. C'est hyper agréable en fond de touche, c'est pas sec. Enfin, vraiment, en termes d'immersion, c'est super. Et puis, c'est surtout la projection acoustique. Quand on joue les basses du piano, ça rentre en résonance. On a un son qui est hyper immersif. Si vous voulez, j'ai les basses qui vibrent même dans les mains, comme sur un vrai piano à queue. Et ça, en termes de réalisme, c'est vraiment super confortable. Je sais que Casio, sur cette série GP, a développé une technologie d'amplification qui s'appelle le grand acoustique et qui fait qu'en tout cas, on est vraiment immergé dans le son. Et je pense que c'était le but recherché à la base. Puis ce qui est intéressant aussi en termes de réalisme, c'est toute la technologie de modélisation qu'on a derrière ces échantillons de piano. La modélisation, qu'est-ce que c'est finalement? C'est par le biais d'algorithmes et de processeurs, c'est recréer les interactions qu'on pourrait avoir entre les différentes parties d'un instrument. La table d'harmonie, les étouffoirs qui se lèvent quand on appuie sur la pédale de sustain, la résonance des cordes par sympathie, tout ça est présent dans cette série GP et franchement ça rajoute énormément au réalisme. Je vais tout de suite vous faire écouter la mise en pratique finalement de cette modélisation et pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, j'ai poussé tous les réglages à l'extrême. Écoutez par exemple le bruit des étouffoirs qui se lèvent quand j'appuie sur ma pédale de sustain. Donc c'est le frottement finalement des étouffoirs avec les cordes du piano. Mais on a aussi la résonance des cordes par sympathie. Je vais jouer un accord à vide, un Do majeur, et j'appuie sur une note. Et là, je continue à entendre les cordes que je n'ai pas jouées vibrer. Et puis, même quand je joue une corde à vide, j'entends le bruit du marteau, écoutez. Et toutes ces choses-là, évidemment, dans un contexte plus normal où les réglages sont pas très forts, on les entend pas aussi fort que ça, mais ça vient juste rajouter au réalisme. C'est en bruit de fond et on a vraiment l'impression d'avoir un piano qui sonne en face de nous. Ce qui est intéressant dans ce GP 510 et dans cette série GP, c'est qu'on a un mode scène qui en fait correspondre à la fois un son de piano, des effets, des réglages et aussi une réverbération pour correspondre à un style musical, à un compositeur ou alors à un lieu particulier. Typiquement, on retrouvera une scène Chopin, ou une scène Debussy, une scène jazz aussi. Et d'ailleurs, dans cette scène jazz, le piano est splitté. C'est-à-dire qu'à une certaine note donnée, on a à gauche un son de contrebasse et à droite un son de piano. Je vous montre tout de suite. Et sachez qu'au-delà de ces presets de scène, vous pouvez vous-même enregistrer vos propres réglages et personnaliser vraiment vos environnements de jeu. Si vous apprenez le piano, eh bien c'est idéal puisque la série GP de Casio vient directement avec un recueil de partitions dans lequel vous retrouverez une soixantaine de standards de la musique classique. Et d'ailleurs, au sein du piano, vous retrouverez tous ces morceaux-là au sein de la fonctionnalité Concert Play, qui vous propose de jouer vos morceaux accompagnés d'un orchestre classique. Donc vous pouvez choisir que le piano ne joue pas du tout sa partie, comme ça vous la faites, ou alors qu'il joue seulement la main gauche ou la main droite. Du point de vue du design, les pianos de la série GP reprennent pas mal de codes des pianos acoustiques droits, à savoir des consoles présentes sous le piano, une verticalité sur la face avant de celui-ci, et puis un couvercle qu'on retrouve sur le dessus qui peut s'ouvrir ou se fermer. Le pupitre est détachable, on peut le retirer, ce que j'aime bien, parce que du coup ça nous donne quand même une approche plus directe au niveau du son. Et donc ce couvercle qu'on peut fermer, c'est une vraie incidence sur le son puisqu'il recouvre certains des haut-parleurs du piano. Et alors quand on joue au casque, me direz-vous, eh bien vous pouvez aussi influer sur cette ouverture ou fermeture du couvercle du piano via les paramètres de modélisation dont on a parlé tout à l'heure. Le GP 510 par rapport au 310 est le seul modèle de la gamme à être disponible dans cette finition noir laqué que je trouve vraiment réussie et qui nous rapproche du piano acoustique. N'hésitez pas à venir l'essayer en magasin. On a en exposition évidemment ce modèle, le GP 510, mais son petit frère aussi, le GP 310, dont les différences ne sont pas énormes et qu'il est aussi intéressant d'essayer. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager, ça nous fait très plaisir. À très bientôt sur la chaîne YouTube de Nebouyam.